Salut Lustig, c'est Manaxu et bienvenue dans Passionné Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos: ne pas poser pendant les morceaux, enfin vraiment de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut être du jazz, en passant par le hip-hop, le death metal, des trucs plus ou moins extrêmes, plus ou moins underground, plus ou moins connus, donc n'hésitez pas à bombarder en commentaire les artistes auxquels vous voudrez que je réagisse. Aujourd'hui on répond à une suggestion de Matt G. Qui me disait tu devrais écouter le morceau Legends Never Die avec Against the Current, qui est un morceau tiré des Worlds 2017 de League of Legends. Pour ceux qui savent pas, donc j'avais fait A Bird in All Down des Worlds 2021, j'avais fait True Damage des Worlds 2019 il me semble, et donc là c'est des Worlds 2017, donc on va faire ça. Donc à chaque fois qu'il y a les Worlds, League of Legends, ils sortent un gros banger, tu vois. Ouais, c'est Riot qui réunit des gens et qui fait ça. Pour info, je n'aurai pas toutes les références parce que je ne suis pas très au courant de tout ce qui se fait dans League of Legends. Je suis un peu la scène de loin, mais je m'y connais assez peu, donc soyez indulgents là-dessus, et sinon n'hésitez pas à me mettre en commentaire les références que j'ai loupées, ou même globalement de me dire toutes les références qu'il y a dans le morceau. Ça, c'est toujours cool d'avoir une seconde lecture, parce que j'aime bien les morceaux, donc des fois je vais les réécouter. Donc voilà, sans plus tarder, on se fait ça ensemble, et je préférais dire ça au départ pour pas que vous me disiez « Ouais, lui il est nul, il fait ça, il connaît rien ». Effectivement, je connais pas grand-chose, mais j'y viens pour la musique en fait, donc on va essayer de faire ça ensemble. Allez, c'est parti, Legends Never Die avec Against the Current. Moi je veux du banger, et surtout les vidéos elles sont incroyables souvent. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming? J'ai mis les sous-titres en anglais, les paroles. Ah, j'ai mis les sous-titres en anglais, je sais pas si tout est en anglais, mais. Comme d'hab, l'anime est folle, hein. Ah, petit Lee Sin. Toujours épique, tu vois, grandiose. Dans la construction musicale. Yes. La recette magique. Ça marche. On a ce côté vraiment calme, ça explose, ça revient. Très pop, mais en même temps très grandiose. Ça marche. Tellement efficace. J'aime bien le style graphique aussi des animes sur celui-là. Nice. Propre comme vidéo d'intro quand même. Hein. Très très cool. Très très bon morceau et très belle vidéo. Au niveau de la vidéo, donc merci d'avoir suggéré. Un petit peu en dessous je dirais des autres. Moins folle parce qu'en fait... Dans les autres, surtout la Bird in All Down, ils ont vraiment fait très fort dans le style d'animation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une transition 2D, 3D de ouf. Et ils mettaient aussi en avant les joueurs, en fait. On voyait les joueurs et leurs champions. Là, globalement, ils mettent surtout les champions en avant. Et très cool quand même, hein, attention. Hein. Mais il faut pas oublier qu'entre 2017 et 2021, il s'est passé des choses. Et ils ont encore vraiment upé le game, quoi. Et à chaque fois, c'est vrai qu'ils sortent des morceaux, enfin des vidéos, que ce soit pour la release d'un champion ou pour... Pour les Worlds, c'est toujours des dingueries.
Et de ce côté-là, ça déroge pas à la règle. Musicalement, on est dans du classique, c'est-à-dire qu'ils savent faire ça, un peu pop, tu vois, dans l'approche, et un peu grandiose avec énormément de cuivre, de percussion, un peu comme le font des mecs comme Imagine Dragons. C'est pour ça qu'en général aussi, Imagine Dragons, je sais qu'ils ont fait des sons pour League of Legends et également pour la série Arcane. On a ce côté-là un peu grandiose dans les percus. Et de ce côté-là, ça marche de fou. En tout cas, merci d'avoir suggéré, j'espère que vous avez kiffé. Chaque fois, c'est un petit plaisir, parce que je trouve quand on allie l'audio, enfin, l'aspect musical, on va dire, et vidéo, et on voit que là, ouais, y a un boulot de fou, tu vois. Et tu dis que les mecs, chaque année, ils sortent des folies comme ça. Donc c'est super cool. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis à la prochaine, les loustiques. Allez, ciao, des bisous.